сүйгенсіңдер жүрегім маңған Таттазарыңнан сен істі ойланайын Мәңгі олып қасығыңнан бір өзіңе байланайын Ұшақта оймалайын Ұжанында кезешкенде телефонмен Білесің бі өзіңдер жүрегім маңған Таттазарыңнан сен істі ойланайын Мәңгі олып қасығыңнан бір өзіңе байланайын Ұшақта оймалайын Ұжанында кезешкенде телефонмен Voilà où j'ai dormi entre deux sacoches. En bord de route, nous avons finalement trouvé un pseudo prêt plat. Pas une très belle herbe, mais les chevaux ont brouté toute la nuit. Je suis resté éveillé avec des endormissements d'une heure ou deux à la belle étoile. Le ciel était magnifique. Nous venons de là et nous allons par là, au fond de la vallée, dans un petit magasin, récupérer quelques courses. Et nous remonterons dans la montagne pour continuer notre chemin. Les enfants sont calmes, je me sens aussi très calme après cette nuit passée à la belle étoile auprès de cette rivière, de ce beau paysage. La journée s'annonce belle. Là, sur le gâteau. Voilà. Allez! Allez, Vlad! Après une après-midi d'enfer où tout le monde a craqué, un par un. Non, nous avons stop. Posé la tente dans un endroit assez tranquille. Les chevaux se reposent. Stop! Et nous allons passer à table. Toi. Nous continuons à regarder notre itinéraire qui s'envole d'ailleurs. Le vent se lève, les nuages, le moral est meilleur qu'aujourd'hui quand même. Allez, rigolez. C'est pas la joie, hein. C'est pas la joie aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a de l'orage dans l'air. En tout cas, il y a du vent. Ça fait du bien parce qu'on était envahi par les temps. Les chevaux étaient vraiment déprimés. Et là, ça va mieux. Le vent se lève, ça fait du bien. N'est-ce pas? Alors, toujours dans le vent, nous sommes campés en face là. Ça a l'air pas mal du tout, un petit ruisseau. Et nous venons de rencontrer des Allemands en camion. Alors ça fait du bien, je vous le dis, ça fait du bien de rencontrer tout le monde. Cet après-midi, c'était deux cyclistes qui voyageaient avec des bagages qui traversaient le Kyrgyzstan. Bon, des futurieux encore. Mais voilà, deux Allemands dans un beau camion. Et ils nous invitaient à boire un petit verre de vin ce soir. Et de partager le dîner, voilà, de manger avec eux. Je leur présente. Et c'est parti, on va préparer du pain. A tout de suite. Voilà, nous sommes bien installés, nous avons dîné chez nos voisins. C'est magnifique, ils nous préparent un petit dîner. On a préparé du pain, Svetlana a préparé du pain. Et Vladislav ne comprend pas pourquoi tout le monde rigole. Vlad, montre-nous quand même, parce que il a préparé le feu. Il s'est pris un petit peu de feu, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors voilà le camion de nos voisins, magnifique, super équipé. Bon, bien sûr, panneaux solaires et tout et tout et tout. Donc on va dîner à l'intérieur, on a un petit dîner de prévu, légumes, patatos, fromage, vin, une petite bière. Et nous pouvons y aller. Je laisse une petite lumière. Alors, je me sens joyeux et heureux. Comme
d'espoir. Plein d'espoir pour une journée de demain. Enfin, plein d'espoir, non, pas du tout, mais... Je suis prêt pour passer d'abord une très bonne nuit. Après ce repas excellent avec le pain de Svetlana et le... Fait à la main. Fait à la main. Le repas de Marco et Amanda. Un super couple allemand qui voyage en camion et qui part d'Allemagne, qui sont aujourd'hui donc au Kyrgyzstan et qui vont aller jusqu'en Inde, puisque elle est native d'Inde. Un super camion aménagé, solaire. Et donc j'ai passé une super soirée. J'adore quand je vous entends parler anglais comme ça. C'est vraiment... heureusement, sinon vous vous ennuieriez, vous ne pourriez pas communiquer, là c'est génial. Et demain matin, on peut avoir donc un petit déjeuner chocolat chaud. Ouais, sauf qu'on n'aura pas le pain et tout. Ah bon, à part faire du pain. Hein. Non, et Svetlana, dire, ouais. Tu fais un réveil en trompette là, tout doux, tu sais. Peut-être que non, si j'ai pas envie que vous preniez un chocolat chaud. Bah, toi, t'as pas envie de prendre un chocolat chaud. Tu commences à jouer à partir du pont. Il va faire chaud quoi. Tu joues à partir du pont. Il sera peut-être 9h. À quelle heure vous voulez vous lever? Bah. En vrai, on doit partir un peu tôt parce que. 7h, ça me paraît bien. Ça nous laisse 2h. 2h. À 9h, on va prendre le petit-déj. En espérant qu'il n'y ait pas de nuage. Et de temps pour les chevaux, parce que là, ça va être chiant. 7h, ça devrait aller. Et à 9h, on les met aux entraves au pied de leur camion. On passe le pont, on les met aux entraves au pied de leur camion. Non. Bah si. Mais ils peuvent très bien partir. Mais on les scelle pas, hein. Ah si, si, tout sera prêt, tout sera scellé, on va prendre... Bah si, on va pas prendre encore une heure de plus pour sceller. Ah ouais, non, Vlad. Tout monde, non, tout est prêt. La jument sera battue. Battée, pardon. Pas on les entravera, mais on les... Pas au piqué, si non. On est pas là, ils peuvent s'enfuir. On peut les mettre... Non, mais on prendra peut-être un petit déj dehors s'il fait beau. Non, je pense... On peut les mettre au piqué sur l'autre rive. Un piqué court, alors. Oui. Okay. On a plus de piqué, là, c'est bon. Mais on verra s'il fait beau ou pas, on verra. Moi, je suis plutôt en trave. On verra, c'est technique. On verra. Voilà, donc je me sens hyper joyeux ce soir de cette belle soirée. C'était génial. Qu'est-ce que t'as préféré cette soirée. Ouais. On devrait faire la même cuisine. Mais franchement, je sais pas pourquoi ils mettent un tout petit peu. Parce que moi, j'en voulais plus parce que on peut gérer ça. Mais bon, c'est normal. Pour ici, c'est normal, papa. Non, pour ici, je pense que c'est parce qu'ils font du camping également, ils sont dans leur camion, ils font pas des grosses quantités. On était 5 quand même. Ouais, 5. Normalement, ils mangeaient ça pour deux. Oui, exact. Donc ils ont partagé leur plat et nous, on a partagé notre pain. En fait, il en restait quoi, du pain, je croyais qu'il n'aurait pas assez pour tout le monde. Mais... Il était où la fin, je l'ai pas vu. Dans ma bouche. Ouais, t'as mangé tout le pain en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non, j'ai. J'ai pas équipé tout le monde parce le que pain j'ai est pas pu. Pas mal, mais il faudrait en faire plus. Bah, tu le feras, hein. Non, c'est vrai. Une plus grosse quantité. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, Vlad, qu'est-ce que t'as préféré ce soir? Je ne vais pas parler. Alors, j'éteins et je vous souhaite une bonne journée. Et pour nous, une bonne nuit qui s'annonce.